dit, va falloir que Marc Quinault il apprenne à danser. Ouais, ça sera le cas. Je pense qu'on a déjà, prévu un truc pour lui à Abidjan. Vous allez le visiter un peu? Oui, tout le monde va y passer. C'est le rituel de la maison. Même si c'est pas toujours agréable, mais ça fait du bien. J'ai hâte de voir. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il a assis finalement? Qu'est-ce qu'il a? Le travail, faire beaucoup de courses. Essayer de respecter l'adversaire tout en étant bon. Donc, voilà, il a apporté beaucoup de choses. Je pense que c'est un coach qu'il me fallait après cette aventure en Coupe d'Afrique. On sait que c'est un entraîneur réputé et puis on a une très bonne équipe de jeunes qui est en train de monter. Donc on a besoin de quelqu'un comme ça pour me faire avancer. Puis, je pense qu'on est bien parti, même si ce soir ça se passe mal. Le plus important, c'est, comme j'ai dit, c'est contre la Guinée, c'est pas celui-là. C'est un match de préparation, même si on aurait préféré gagner, mais bon, on reste calme. C'est de la construction, la reconstruction qu'il a occupé à faire. Parce qu'il disait, voilà, une bonne génération, il n'y a peut-être pas eu la transition qui a été faite pendant. Non, on est dans la continuité, c'est tout. Je pense que la transition, elle a déjà été faite entre les anciens et les jeunes. On a vu la Coupe d'Afrique, on est passé à côté. La transition, elle a déjà été faite. Il faut juste rester. Faut juste prendre conscience qu'aujourd'hui, on est maître de nous-mêmes et qu'il ne faut pas penser à un éventuel retour des sauveurs. Aujourd'hui, on est amené à avoir une vie, mais surtout de continuer à travailler. Donc, il faut qu'on soit conscient qu'aujourd'hui, on est face à nous-mêmes. Vous aviez parlé de lui avec Thomas Meunier ou pas? Ouais, un petit peu. Ouais, il a demandé comment il allait. Et Thomas, il vous avait dit quoi avant sur le coach? Bien. Ouais. Beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. Quand il est arrivé, je me suis renseigné un petit peu. Il m'a dit beaucoup de bonnes choses. Et je le découvre. Donc voilà, comme je dis, franchement, c'est que des bonnes choses. Et puis c'est ce qu'il nous fallait. Donc il faut rester concentré. Le plus important, c'est le match de samedi prochain. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de changements aussi. La première demi-heure était quand même convaincante. Après, vous êtes bien étranger. Ce soir, on n'a pas été mauvais. On n'a pas été mauvais dans la construction. C'est juste que voilà, on a pris des buts sur des grosses erreurs. Des erreurs de marque. Des erreurs de marquage. Ça, c'est inquiétant quelque part. Justement, il faut que ça arrive maintenant. Si ça arrive maintenant, on peut toujours corriger. Si ça arrive plus tard, dans une compétition importante, c'est plus difficile. Peut-être qu'il y a beaucoup de binationaux qui optent pour la Côte d'Ivoire, c'est aussi un signe positif pour l'avenir. Bien sûr, mais il faut qu'ils prennent conscience que ça va être plus difficile qu'ils croyaient. Parce que jouer en Europe et jouer en Afrique, c'est vraiment différent. Donc voilà, il faut qu'ils se mettent tout de suite dans le bain. Et puis, je ne fais pas de soucis, on a un groupe homogène, on a un groupe qui joue bien. Et puis, j'espère pour eux qu'ils vont nous apporter tout ce qu'ils nous apportent pour qu'on obtienne des résultats. Merci beaucoup Serge. De vrai plaisir. Bonne soirée.